Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Kuka Bat Fritna, Zara Bat Mazal Tov Shishbortish et Rachel Bat Sarah. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez à 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perikret, Mishnah Dalet. Haya Aviv Rotse Veimo Ena Rotsa. Aviv Eno Rotse Veimo Rotsa. Eino Naasa Ben Sorer Omore Ad Sheyu Shnehem Rotsim. Rabbi Yehuda Omer, Im lo haita imo reuya le'aviv, eno na'asa ben sorer umore. Haya echad mehem gidem, o chiger, o ilem, o suma, o cheresh, eno na'asa ben sorer umore. Shenehemar, v'tavsu bo aviv ve'imo, ve'lo gidemin, ve'ociu oto, ve'lo chigrin, ve'amru, ve'lo ilmin, benenu ze, ve'lo sumin, eno shama kolenu, ve'lo chereshin. Matrin bo, bifne shlosha, umalkin oto. Chazar vekilkel nidon ב-20 ושלושה. ואינו נזכל עד שיהיו שם שלושה הראשונים, שנאמר בינינו זה, זהו שלקה בפניכם. ברח עד שלא נגמר דינו, ואחר כך הקיף זקן תחתון, פטור. אם שנגמר דינו ברח, ואחר כך הקיף זקן התחתון, חייב. ונור משנה מסבלת וית בעזרת השם. On va commencer la première harmonie, on traduit directement. Aya aviv rotse veimo ena rotsa. Le ben sorer omore, il faut bien comprendre. C'est un axiome qui va nous permettre de comprendre tout plein de halakhot qui vont apparaître dans cette Mishnah. Le ben sorer omore n'a rien fait de grave pour le moment. Il fait que de prévenir d'une situation très grave qui va arriver. C'est quelqu'un qui est sur une très mauvaise pente où il manque tellement d'équilibre, de maîtrise de soi, et il est dans un cadre qui favorise sa dégringolade, sa dégringolade jusqu'à la plus profonde abîme, que la Torah nous a dit, n'attends pas la catastrophe, tue-le tout de suite. De ce fait, cet axiome-là, déjà, ça va générer la première partie de la Mishnah. Regardez, Aya aviv rotse veimo ena rotsa. S'il avait son père qui veut le rendre ben sorer omore, mais sa mère qui veut pas, il a une bonne mère tunisienne qui est là, qui dit « mon fils, on va pas le tuer ». D'accord ? Au contraire, « aviv eno rotse veimo rotsa ». Son père, ma mère est tunisienne, pas de problème. Elle n'est pas tellement tunisienne dans le caractère, mais en tout cas elle est tunisienne. « Aviv eno rotse veimo rotsa ». Son père ne voulait pas, mais sa mère voulait le faire. Ça c'est la mère marocaine. Tu vas voir comment je... Ouais, elle veut, mais lui le père il est là, il a calme, il dit « reste tranquille, on va voir ». En tout cas, il veut pas, le père ne veut pas le faire ben sorer omore, concrètement. Eino na'asa ben sorer omore. Eh ben, on ne le rendra pas ben sorer omore. Il y a une halakha spéciale. C'est généré. Et ça n'existe pas par rapport à quelqu'un qui est chayav ce qu'il a parce qu'il a transgressé Shabbat, de dire, bon, tu sais quoi, j'ai pas envie de te condamner. On a un devoir de partir témoigner. Bah, avod rechaim rina, on avait vu dans la Mishnah, à la fin de, je sais plus quel perek, il faut que tous les rechaim soient tués. Là, le ben sorer omore, si les parents ne veulent pas le faire, j'ai un peu cherché, j'ai pas vu personne qui parle, j'ai même ouvert le Rambam, j'ai cherché un peu dans les sources. Personne ne parle de ce point-là, c'est quelque chose de très étonnant, mais en tout cas, il ressort la Mishnah telle que je la comprends, en tout cas, que la Torah n'impose pas, parce que sinon on aurait dû parler, si la mère ne voulait pas le rendre ben sorer omore, on serait peut-être parti parler à la mère, essayer de la madouer, de lui dire que c'est très important, que ça va être une catastrophe. Mais non, tel que c'est écrit, la mère ne veut pas, ou le père ne veut pas le rendre ben sorer omore, eh ben... Ils n'auront pas besoin de le prendre de l'amener au Beddin pour lui faire le processus qu'on va apprendre dans le Mishnah. D'accord ? Achiyu shneim rotsim, jusqu'à que les deux veuillent le rendre ben sorer omore, le donner le statut du fils rebelle. Rabbi Yehuda Omer, im lo haita imo reuya le'aviv, en on a'asa ben sorer omore. Rabbi Yehuda rajoute, si vous faites attention, dans tout le Perek, Rabbi Yehuda rapporte souvent des clauses qui font qu'en fait le ben sorer omore, ça veut dire une histoire très très rare. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut le rendre ben sorer omore uniquement si le père et la mère sont semblables l'un à l'autre. Ils ont une voix qui se ressemble. Ils ont plus ou moins la même taille, le même gabarit, la même corpulence et la même apparence même. Et malgré tout, eh ben leur fils ne les écoute pas. Alors ils pourront le prendre. Il déduit ça d'un pasouk que Enenu shomea bekolenu. Ils n'écoutent pas notre voix. Au lieu de dire nos voix, bekolotenu au pluriel. Le pasuk a dit Enenu shomea bekolenu. Cet enfant-là, Enenu shomea bekolenu, il n'écoute pas notre voix. Donc on nous dit que là, ils ont une voix unique, ouais, semblable, qui est la même, l'un et l'autre, ils ont la même voix. Et de ce fait, Rabbi Yehuda dit ben, s'ils doivent avoir la même voix, ils doivent avoir la même apparence, la même corpulence.
D'accord? On continue avec. On quitte Rabbi Yehuda maintenant et on revient sur Tana Chachamim. Tout le monde s'est alachot admise. Haya echad mehem gidem. S'il y avait un des deux qui était manchot, il lui manquait un bras. O chiger, il lui manquait un pied. O ilem, il était muet. O souma, aveugle. O cheresh, ou sourd. Eino naasa ben sorer ou moré. Il ne sera pas ben sorer ou moré, on ne lui donnera pas le statut de l'enfant rebelle d'aller le lapider. Pour quelle raison? Alors là, la Mishnah ne va pas rapporter tout le pasouk d'un coup, mais elle va le rapporter en séquence. En séquence, et à chaque fois expliquer le mot. Il y a marqué dans le pasouk, regardez, on va sauter les deux mots sur. On va sauter à chaque fois deux mots, ça fait. Le pasouk dit Vetavsubo, Aviveimo, Vosioto, Veameru, Benenuze, Enenu Shoma, Bekolenu. La Torah l'a dit, quand il y aura chez vous un fils rebelle, alors Vetavsubo, Aviveimo, le père et la mère l'attraperont et l'amèneront au Bet Din. Et diront devant le Bet Din, Benenouze, cet enfant-là, Enenou Chomé Abekolenou, il n'écoute pas notre voix. De là, on déduit, chacun des mots va nous apprendre une halakha spéciale qu'il faut qu'ils aient les cinq sens parfaits. Soit, Shenemar, Vetafsubo Aviveimo, c'est son père et sa mère le prendront, le saisiront. Donc il doit avoir des mains pour le saisir. Velo Gidemin, et pas des manchots. Si on a un des deux qui est manchot, c'est fini, il ne sera plus bien sûr amoureux. Vehotsi uoto, et ils l'amèneront. Donc ils l'amèneront en le sortant, pas sur chaise roulante. Ils ont des pieds pour marcher. Velo chigrin, donc ils ne sont pas chiger. Chiger dans la Mishnah, en tout cas dans la Gemara, c'est chiger, c'est quelqu'un qui a pas de pied. Vehameru, et ils iront devant le Médine et ils diront. Donc ils ne pourront pas parler avec les mains. Velo ilmin, ils ne sont pas muets. Benenouze, cet enfant-là. Qui est le point du doigt, puisqu'il y a marqué Zé, Vélo soumine, donc ils ne sont pas aveugles. Ouais. Enenu shomea bekolenu, alors là, une petite feinte. Enenu shomea bekolenu, ils n'écoutent pas notre voix. Vélo cherchin, donc, ils ne sont pas sourds. Et alors là, il y a un problème. Parce qu'écouter sa voix, même un sourd qui parle, si toutefois le sourd, il s'est bouché les oreilles après la naissance, qui sait parler, et bien il va parler, et même si Enenu shomea bekolenu, ils n'écoutent pas notre voix, quel rapport? En fait, non! On peut certifier, parce qu'il y a une halakha spéciale, que les parents doivent avertir l'enfant et lui disent « Arrête d'être un vaurien, un glandouille, un glandu, arrête de voler, de partir boire du vin. » Et le fils doit rétorquer en disant « C'est plus fort que moi, je ne peux pas vous écouter. » Il doit dire explicitement à ses parents qu'il refuse leur reproche, leur remontrance. Donc, les parents ne peuvent plus entendre qu'ils n'écoutent pas leur voix. Ouais, ça ressort que si l'enfant il dit, il regrette, il pleure, il dit ouais, je ferai mieux demain, et le lendemain il rechute, eh ben, on lui fera pas le statut de ben sorer ou moré. Or, les parents ne peuvent pas entendre par leurs oreilles que le fils accepte ou refuse, donc il ne peut pas devenir ben sorer ou moré. Maintenant, la Mishnah va nous expliquer le procédé. Comment devient-il ben sorer ou moré? Matrin bo bifnei shlosha ou malkinoto. Littéralement, on l'avertit devant trois et on le frappe. En réalité, on l'avertit devant deux personnes. C'est-à-dire, il faut en prendre deux témoins et lui dire, viens ici. On te prévient, tu arrêtes de voler de l'argent pour aller acheter du vin et de boire, acheter de la viande et boire du vin. D'accord? Tu arrêtes et il doit refuser. S'il refuse, il doit malgré tout refuser la remontrance. Alors on prendra deux témoins pour que deux témoins voient et qu'on l'avertisse. Et alors là, s'il enfreint devant deux témoins de nouveau, on l'amènera au Bet Din et le Bet Din commencera d'abord par le frapper. Chiyuv Malkout. Il y a un lav spécial, un lav général, on ne va pas ouvrir le débat sur ce lav, c'est un lav très complexe. Il y a marqué Lotochlu al Adam. Vous ne mangerez pas sur le sang. Si on apprend, je crois que dans la Gemara, si je ne me trompe pas, il y a cinq halakhot complètement différentes qui sont déduites de ce pasouk, l'otochlou à la dame. Qu'est-ce que ça signifie? On apprend là que, par exemple, les juges n'ont pas le droit de manger avant de condamner quelqu'un à mort, ou le jour où ils condamnent à mort. Et une des choses qu'on apprend là-bas, c'est de là qu'on apprend le fait qu'il y a un interdit pour le ben zoré de manger, comme ça, de voler pour aller manger le. On voulait de l'argent, on déduit là-bas de l'autre la dame. En tout cas, donc on va le frapper, on va lui faire un chiouf malkout comme celui qui transgresse un interdit de la Torah. Et alors là, s'il va récidiver, chazar avec ilkel, s'il a recommencé, nidon be'esrim ve'shlosha.
pour le frapper, il fallait juste trois témoins. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà appris au début de la Maseret Sanhedrin que Dine, Chiyuv et Malkout, on fait avec trois témoins, trois juges, pas trois témoins, excusez-moi. Trois juges pour Chiyuv Malkout, frapper les 39 coups. Mais par contre, s'il a recommencé Khazar avec quelqu'un qu'il va falloir le condamner, il a récidivé et il s'est dévergondé encore de nouveau, alors Nidon Mesrim Veshlosha, il faudra le juger avec 23 juges, comme tous les condamnés à mort. Et il faudra que trois des juges qui vont composer le Bet Din soient les trois mêmes juges sur les devant qui l'ont frappé. Pourquoi? Chez Neymar, quand le Pesouf dit Benenouzé, les parents reviennent et disent cet enfant-là, celui-ci, vous le reconnaissez. Donc il y a ici les trois juges qui sont là devant nous, qui l'ont frappé la première fois, qui sont là pour dire. Pour certifier et attester qu'effectivement, c'est le même bonhomme, le même sale gosse. Zeu shelaka bifnechem, c'est lui qui a été frappé devant. On a fini à présent l'essentiel de la Mishnah. Et on n'a qu'à continuer à aller. Je pensais mettre ce petit bout pour la suite de demain, mais bon, ça va vite, Bezrat Hashem. Barach velo achelo nigmar dino, vechakar ekif zakan tarton. Ekif zakan tarton, oui, pas tout. Là, maintenant, on va parler d'un statut particulier. C'est assez général. D'abord, on rappelle la première Mishnah de ce Perek, de ce chapitre. On avait appris que pour faire le statut de Ben Sorer Moré, on le fait à un enfant qui a passé la majorité religieuse, 13 ans, qui commence à avoir deux poils dans les parties génitales, jusqu'à que son corps se soit davantage développé, qu'il a présent beaucoup plus de poils. D'accord? De ce fait, la Mishnah nous enseigne. Si on a commencé à le juger quand il était encore jeune adolescent, pas encore adulte vraiment, il n'avait pas encore atteint cette majorité, il n'avait pas encore, sa puberté n'avait pas encore évolué, il n'avait pas encore tous les poils nécessaires pour dire que c'est un adulte total. Et on a commencé à le juger, et puis là, il nous a feinté, il a dit qu'il voulait partir aux toilettes, il est passé par la petite lucarne, il a disparu de la circulation, il réapparaît 3 mois après. Il s'avère qu'après, il est déjà un grand barbu, d'accord? Zakan Tarton. Et il a beaucoup de. Donc il est devenu maintenant un adulte, et ben on ne pourra plus lui faire le statut de Ben Sorer Moré. C'est ce qu'il y a écrit ici. Barach, s'il s'est enfui du Bet Din, Hachelo Nigmardino, tant que le verdict n'a pas été prononcé. Veacharkach, et ensuite, Hikif Zakan Tarton, la barbe inférieure, pour parler poliment, pour vous rappeler. Donc, les poils dans la partie génitale se sont développés davantage et à présent, on ne peut plus lui donner le statut de Ben Sorer ou Moré, de l'enfant rebelle, le condamné à mort. Pas tout, il sera dispensé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore prononcé le verdict. Par contre, si depuis que le verdict a été prononcé, alors il s'est enfui du Bet Din. Et après, quand on va le retrouver, c'est devenu, on le retrouve même 15 ans après, il a une barbe gigantesque. Et alors, est-ce qu'on le condamne ou pas? Khayav, il sera khayav. C'est une grande règle, il faut savoir, c'est dur à admettre, la première fois que j'ai entendu cette halakha, j'ai été choqué. Mais imaginez-vous que vous prenez le plus grand rabbin du monde. Le plus grand, on va pas dire de nom, parce que, bon, prochain, le grand rabbin, c'est tous des tzadikim. Mais en tout cas, imaginez-vous que vous prenez le plus grand rabbin du monde, que quand il avait 13 ans, bon, 20 ans, il a fait une avéra, il a fumé une cigarette, un Shabbat en public. Il a fumé devant deux témoins qui l'ont averti et qui lui ont donné le chiouf, ce qu'il a. Eh bien, il faut savoir si on pourra d'abord le juger, même 70 ans après, quand c'est le gadol ador, eh bien, on va aller le juger et on va le condamner à mort. Et la Mishnah Issel nous enseigne quelque chose d'un peu différent, mais en tout cas, c'est le même principe. C'est que, pour le Ben Sorer Moré, à partir du moment où on lui a prononcé le verdict, qu'il a été chayav, alors c'est devenu un gavra ktila. C'est devenu un homme mort vivant. Dès qu'on a prononcé le verdict, il est condamné à mort. Et c'est fini. Ça, il ne pourra plus jamais se faire expier sa faute, si ce n'est en se faisant tuer. C'est-à-dire qu'il s'avère que si Ben Sorer Moré, finalement, une fois qu'on a prononcé le verdict, il s'est enfui et il est parti se cacher dans une yeshiva, et c'est devenu depuis un très grand sadique même, eh bien on va le tuer quand il aura 50 ans, on va l'attraper, on va l'amener au Bedin, on va lui dire écoute, t'as déjà été condamné à mort, t'as maintenant une mission d'être condamné à mort. C'est difficile à admettre, mais c'est comme ça. Dès que le verdict a été prononcé, il doit payer sa dette. D'être condamné à mort. D'accord? On a fini à présent la Mishnah et on fait le Barthénora. Re'ouya les Aviv. On s'apporte sur les paroles de Rabbi Houda qui disait que la femme devait être semblable au père, apte au père littéralement, Shava
Vedoma le Aviv. Elle est équivalente, elle ressemble à son père. Bekol, par la voix. Bamaré, par l'apparence. C'est des bruns ou des blonds. Vekoma, des blonds, ils peuvent pas avoir des sales gosses. Ça dépend. Vekoma, Vekoma, par la taille aussi, la même taille. Dirtiv, Enen Oshomea Bekolenu. Comme le passage dit, il n'écoute pas notre voix. Midelokti Bekolotenu, puisque le passage n'a pas dit Bekolotenu, nos voix. Shmamina, on déduit de la Kol Echad Lishneem. Une voix unique pour les deux. Omidekol Bainan Shnaim. Mare Vekomanami Bainan Shavim. Ah, j'ai un peu. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Faudrait que je fasse mes lunettes. Omidekol Bainan Shavim. Et si la Torah insistait qu'ils aient la même voix. Mare Vekomanami Bainan Shavim. Pour la taille et l'apparence, aussi il faut qu'il soit shavim, équivalent. Guidem, c'est celui que. C'est quoi un guidem? Un manchot? Yadoktua, sa main est coupée. Benenouze, il faut qu'ils disent Benenouze, en le regardant, mashmashemar inoto. Donc ils sont en train de le pointer du doigt, ils le montrent. Soit ils ne doivent pas être aveugles. Kharashim, alors là c'était la petite feinte. Qui ils disent, et nous chomea bekolenu, ils n'écoutent pas notre voix. Et de l'an de Dieu, ils ne doivent pas être sourds. Soit, comment c'est possible? Si le fils leur a dit, oh, vos reproches, laissez-moi tranquille avec mon bout de viande et mon verre de vin, alors dans ce cas-là, alors si le fils va rétorquer ça, il ne l'écoute pas quand il rétorque. Et même si après ils vont constater quand même, ils sont pas d'accord, ils sont sourds, ils ont pas entendu que le fils refuse de les écouter. Mais en tout cas, ils sont partis voir qu'il est parti voler de nouveau pour manger sa viande et son vin. Mais comme la Torah amra, et nous chomea bekolenu. Malgré tout, la Torah a dit qu'ils doivent dire, et nous chomea bekolenu, ils n'écoutent pas notre voix. Des mashma des bishata kol kamre de roshama. Il faut qu'au moment où ils parlent, qu'ils écoutent, qu'ils refusent de les écouter. Ouais. Activement. Il doit refuser activement de les écouter. Je ne veux pas vous écouter. Chez Sham Ouhu, Chez Amar, Eni Mikabel Mikem. Ils doivent entendre qu'ils disent je ne veux pas accepter votre montance. Matrin Bobifne Shlosha, on lui avertit devant trois personnes. C'est-à-dire, Achikamar, comme ça il faut lire le Mishnah. Ou Matrin Bobifne Shnaim, on l'avertit devant deux. Shelo Yargil, arrête ta décadence. Veim lo shama et s'il n'a pas reçu, malkin oto bebet din shel gimel, kedetnan bebrekama. Alors on le frappera devant bet din, devant trois personnes, comme on a deux, trois juges, comme c'était enseigné dans le premier chapitre. Makot bechalosh, de vaisru oto amon bebet sur mon et malkuto. Il y a marqué là-bas, si vous faites attention dans la paracha, il y a marqué qu'ils l'amèneront devant les personnes. Veisru oto, ils le frapperont. Donc ça veut dire que c'est malkut, il faut le frapper. Ktivacha ben sorer umore, vektivatam bim veyam bin akotaracha, il nous arracha entre le mot ben bin, et on déduit là qu'il faut le, quand il y a marqué veisroto, qu'il faut le frapper. D'accord. Vezehu shelaka bifneichem, on avait vu qu'il fallait que trois des juges soient les trois devant les trois juges qui l'ont condamné à la flagellation la première fois. Bien que, tu déduis d'un même pasouk de halachot, benenouze, on a déjà dit qu'il faut qu'il le pointe du doigt en le montrant. Alors pourquoi, comment tu te permets de déduire qu'il faut aussi que ce soit les mêmes juges? C'est la question du Barthénois. Bien que, demibaeleze, velosumin, qu'on a déjà utilisé ce pasouk pour nous déduire, celui-là et pas les aveugles. I ita delehach milta lechoud ata, leze, ou shelaka bifnechem. Si toutefois c'était venu pour nous apprendre uniquement. La halakha de me dire cet enfant-là qui a été frappé devant vous, l'irtov benenu hu, il fallait écrire benenu hu, l'enfant en question. Pourquoi tu dis benenu zé qui le pointe du doigt? Mai benenu zé, shmat mina tarté, tu fais que la Torah aurait pu dire benenu hu, et la Torah aurait pu dire benenu zé. Alors on déduit que là il y a eu deux ajouts qui vont nous permettre de prendre deux drachot, d'accord? Celui qui a étudié la Gemara, c'est fréquent comme question-réponse. Si il a fui avant que le verdict soit prononcé et qu'après son corps a continué à se développer, puisque s'il avait transgressé la Avera tout de suite, il n'aurait pas été condamné à mort, puisqu'il est devenu adulte. Ouais, il a eu son corps qui a continué à se développer. Alors on ne le tuera pas. Par contre, Michel Gemara dit no barach. Et par contre, si depuis le moment où il a été prononcé son verdict, il s'est enfui, avec Egabraktila, Vechaya, Vafilulacha, Kamashanim, alors ça reste un homme condamné à mort, même après plusieurs années. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Koltoukselah.